Hey, et bien salut à toutes et à tous, mes chers gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo d'Amnesia, l'épisode d'après de celui que je viens de tourner maintenant. Donc, on est toujours coincé dans cette pièce avec ce petit monsieur là qui. Qu'on voit pas, mais il est juste là, là. Et si je bouge. Si je bouge, normalement, il devrait bouger avec moi. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Bah ben voilà, si. Voilà, là, attendez, il est juste là, là, juste devant moi. Guettez, Allez, dégage. Dégage, merde. Voilà, vous voyez là? Là, là. Juste là, là. Il a pas l'air si rapide que ça. On va relativement bien le semer. Allez, il est juste en face. C'est ce que je fasse. Oh. Trois pas. C'est pas vrai qu'il puisse pas choper un vol. Ouais, elle a l'air vraiment qu'elle est très fort moi. Peut-être pas. Pas que ça va être avec le... la porte est trop lourde. Ok. Aïe.
cours, 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 cours. C'est pas suite, j'ai démarché de carte. Quoi? Ok. Peine conscience. Thank you.
D'accord. Bloquer le chemin. Courez. D'accord. Comment la créature a fait pour passer? Pas sûr. Ça c'est très fort. Roi de l'évasion. Ça panique les gens. Fermez les portes maintenant. Pierre comme deux verrous de roche. Ah. Voir ce qu'il y a en haut. Ouais, c'est plus courir. On va l'ajouter. Voilà un étudiant. La fève et froide brume lui frôla le visage lorsqu'il sortit. Le temps de Londres pouvait être cruel, mais c'était le champ. Ok. Quand il y a rien au-dessus. Fermé, hein, maintenant on va prendre l'habitude de fermer les portes. Hein. D'accord. J'ai très bien fait. On peut pas péter vite. À mon élève et ami de confiance, Johan Weiser, la chose la plus incroyable s'est produite cet été alors que je voyageais dans les bois prussiens. J'ai finalement trouvé un des orbes que je cherchais depuis 20 ans, depuis ces 20 dernières années. C'est tout aussi inexplicable comme je le décrivais, l'héliodromus d'un lortus conclusus. Lortus conclusus. C'est exactement comme on l'avait raconté, un temple souterrain mitriaque couronné d'un étrange objet. L'orbe était assez grand pour remplir mes mains en coupe et la texture était à la fois lisse et déchiquetée. Ses couleurs fades mais riches
Le contraste n'est pas assez clair pour décrire sa nature. C'était tout simplement impossible, un paradoxe artificiel ancré dans la pierre. J'étais dans un village voisin appelé Altstad et j'étudiais alors une des routes dissuètes des alentours. Lorsque j'ai finalement trouvé la caverne, je suis rentré à l'intérieur et j'ai tout de suite pu vérifier l'essence même de ces objets énigmatiques. Ils étaient bel et bien réels. Vous attendrez qu'il s'agit là de la découverte la plus importante de ma vie, mais c'est aussi devenu ma plus grande peur. Alors que je pénétrais la chambre souterraine, je me suis instantanément senti comme un intrus. Curiosité oblige, j'ai fait de mon mieux pour combattre ces instincts et prendre l'orbe où il se trouvait. J'ai déquerpi de la chambre et je me suis dirigé dans les bois. Je pouvais sentir quelque chose était en train de me suivre. Il aboyait de plus en plus fort et au fur et à mesure qu'il se rapprochait. La bête, ce gardien de l'orbe, n'avait pas l'intention d'abandonner sa poursuite. Je me suis frayé un chemin près d'un ravin tout proche où je vais trébucher sur des hommes pêchant dans un lac. J'ai essayé de les avertir, mais heureusement pour moi, ils sont restés. Alors, je continuais mon évasion. Lorsque j'entendis leurs cris d'agonie résonner dans toute la vallée, j'entendis comme un réel soulagement en pensant que j'allais peut-être être épargné. Soudainement, une lumière bleue scintillante m'a englouti et les couleurs de la forêt ont alors disparu devant mes yeux. J'ai continué à courir à travers les mornes environ qui m'entouraient. Les arbres avaient tourné couleur noir charbon avec leurs feuilles de cendre. Le sol s'était couvert d'une eau glauque. Je me suis dépêché de traverser cette terre submergée alors que les cendres brillaient, prenaient leur envol avec le vent avant de retomber sur moi. Je pouvais entendre des cris implorant au loin. Et c'est alors que nos voix ont fait unisson. La douleur et la peur se sont emparées de moi. Cela peut sembler étrange, mais j'avais été transporté à des kilomètres au loin à travers les Alpes vers un champ verdoyant en dehors des gènes. Le gardien avait récupéré l'orbe, mais depuis ce jour, je crains toujours son retour. Parfois, je reste éveillé la nuit et j'écoute ses cris et hurlements passés. Cela fait bientôt 10 ans depuis ce jour et je n'ai toujours pas pu relater par écrit cet incident. Lors de notre dernière conversation, tu m'as parlé de ton intérêt et de tes recherches continues sur l'orbe mythique et je me suis alors rendu compte que je te devais bien la vérité sur ma visite à Altstadt. Ton ami et mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Canis Lupus Familiaris, 12 avril 1658. Après une brève étude, il est clair que l'échantillon trouvé chez les humains est similaire à celle des chiens. La crainte et la douleur induisent au stress, ce qui semble déclencher une réponse endogène provoquant chez l'animal une réaction très énergique. Je crois que le catalyseur est produit dans le cerveau. C'est difficile de déterminer avec exactitude où est-ce qu'il se trouve, mais je peux le sentir. Ça sent la genèse cosmique. Il y a un problème inhérent lié à la canalisation de cette énergie, puisque la créature meurt à la suite de l'exercice. J'ai amélioré le processus de torture pour permettre de réaliser un réel travail. Plusieurs expériences doivent être réalisées, mais il semble que seuls les êtres humains soient aptes à produire la quantité nécessaire. Finalement,
C'est peut-être leur capacité à supporter la dureté du processus qui leur permet d'accroître leur expérience de terreur. Pas très réjouissif tout ça. Let's see what you have to offer. Ah, what a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. C'est dégueulasse. C'est peut-être ça en fait les bruits d'aboiement qu'on attendait depuis le début du jeu. En fait, ça doit être des chiens comme Fluffy et des chiens zombies pour ceux qui connaissent pas Call of Duty. Il y en a quand même qui connaissent pas. On va dire que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Passer derrière là. On a noté un truc. Trouver un autre chemin autour des décombres de l'étude. Et où mon marteau? Normalement, on est assez... Sécurité. Il a toute la pièce. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est ça là, cette fontaine. Assez bizarre. Pour cueillir de l'eau. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one.
It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Ça a l'air peut-être calmé. Le truc qui nous poursuivent, qui veulent nous bouffer. Enfin, ça, la clé. Rentre la clé. Voilà, elle était sûre. Ça ne fonctionne pas. Il va retrouver de l'huile. Moyen de mettre un manche. Putain. Alors pour la porte, j'ai peut-être ma petite idée. On va aller voir ça tout de suite. Ok, on peut pas utiliser ça. Bon, bah. On sent qu'on aura fermé la porte. Encore un truc à souterrain, merci, ça ira. Je crois que j'ai ma dose de souterrain pour l'instant. La chambre d'invité. Le tronc d'abeille. D'herbeille, il est enlevé. Ok. Moi, déjà, c'est déjà pas mal. Of July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Aujourd'hui, j'ai récupéré les affaires d'Herbert au bureau. Today, I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states. Recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly.
I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Daniel? What? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. On va s'arrêter là dans cette magnifique chambre, en fait, cette porte d'entrée. Voilà, c'était tout pour cet épisode de Amnesia. Moi, je vous retrouve très vite pour la suite de cette série de ce jeu d'horreur qui nous a bien fait flipper d'ailleurs. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.